Salut à tous, c'est Inri, on se retrouve pour un combat Wi-Fi détente contre Geekube. Encore une fois, dans ma team, j'ai un Roserad offensif, j'ai un Junko, je ne sais plus comment je le joue celui-là. J'ai un Mega Scarino qui défonce tout. Qui défonce tout, je l'adore. J'ai un Nidoking. J'ai un Shaymin et j'ai un Suicune. Démarrons le combat sans attendre. Voilà, pour une fois. Pour une fois qu'on n'attend pas. Alors, Yu commence le combat avec son Charmina. Moi, j'envoie tranquillement mon petit Roserad. Parce que c'est un Roserad. Il faut pas déconner, Roserad. C'est pas de la merde, je trouve. Pas du tout. Donc, le méga Charmina, évidemment. Truc tellement pété. Je lui fais éclair magique, j'étais plus rapide. Bon, parce qu'il est pas strat, évidemment. Parce qu'il est pas strat, sinon, ça aurait été différent. Là, j'évite le pied voltige. Il se casse la gueule. Il est KO. T'es en mode. Oh, le coup de chance! Là, il envoie Excavaren. Excavaren contre Roserad. Es-tu sérieux, là? Bon, évidemment, je vais louer one shot, parce que c'est un type sol. Et que j'ai giga sensu. Et pas trempé de verte. Pas tempête verte, non. La Métallos, je me suis dit, ok, tranquille, j'ai la puissance cachée feu, je le passe sans problème. Donc je fais ma puissance cachée de zip feu, je fais plus de la moitié de sa vie en dégâts, il me fait ultra laser, lol, et j'évite son attaque. Je refais une puissance cachée, et cette fois je le tue. Voilà, donc un peu le coup de chance qui fait le Roserad a déjà 3 kills quand même. Ensuite, Champignon, ben, je lui fais une Bloomberg dans sa gueule. Et comment dire qu'il va pas la tanker, voilà. Il est mort. Défoncer sa gueule. Ensuite, il envoie Chakram. Bon, le petit Roserad qui a 4 kills, c'est pas rien, pas rien. Et puis là, je fais Giga Sensu. Alors, il avait Cascade. Le mode what? Pourquoi il a fait cascade? Pourquoi il a pas fait des tricanons plutôt? Parce que j'avais pas extra sorceur. J'avais que la magique. Donc là je le tue. Puis là il envoie son autre Amphinobi. Donc là j'ai à 5 kills. Le Amphinobi qui s'appelle Shinobu et qui fait une puissance cachée feu. Qui me tue pas. Et puis moi j'avais fait giga sensu parce que je me suis dit il a rien pour me résister. Bah si, en fait il avait ça, j'avais pas pensé, mais bon, il avait la puissance cachée feu. Du coup il tue mon Roserad qui a fait quand même son sweep de 5 Pokémon tués, parce que Geekube l'a mal joué, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de Geekube directement, parce que ses Pokémon n'étaient pas très bons. Donc là j'envoie, ah oui c'est vrai, mon Junko que je joue avec dans Slam. Et donc je tue ce Amphinobi qui est type feu, voilà. Et c'était rapide, mais voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine, c'était très rapide. Et j'espère que ça vous aura plu quand même, ce petit flip de Roserad. Allez, salut!